Parole de Dieu quotidienne. La mort d'un être vivant, la fin d'une vie physique, signifie que l'être vivant est passé du monde matériel au monde spirituel. Alors que la naissance d'une nouvelle vie physique signifie qu'un être vivant est venu du monde spirituel dans le monde matériel et a commencé à assumer son rôle, à jouer son rôle. Que ce soit le départ ou l'arrivée d'un être, les deux sont inséparables du travail du monde spirituel. Lorsque quelqu'un arrive dans le monde matériel, des définitions et des arrangements appropriés ont déjà été faits par Dieu dans le monde spirituel au sujet de sa famille, de son époque, de l'heure de son arrivée et du rôle qu'il joue. Et ainsi, toute la vie de cette personne, ce qu'elle fait et les chemins qu'elle emprunte, se déroulent selon les arrangements du monde spirituel, sans la moindre erreur. Le moment de la fin d'une vie physique, pendant ce temps, et la manière et le lieu de cette fin sont clairs et discernables pour le monde spirituel. Dieu domine sur le monde matériel et il domine sur le monde spirituel. Il ne retardera pas le cycle normal de la vie et de la mort d'une âme et il ne pourrait pas non plus commettre des erreurs dans les arrangements du cycle de la vie et de la mort d'une âme. Tous les huissiers au poste officiel du monde spirituel exécutent leurs tâches et font ce qu'ils doivent faire selon les instructions et les règles de Dieu. Et donc, dans le monde de l'humanité, tout phénomène matériel contemplé par l'homme est ordonné et pas du tout chaotique. Tout cela est à cause du règne ordonné de toutes choses par Dieu. C'est aussi parce que l'autorité de Dieu domine sur tout et tout ce sur quoi il domine comprend le monde matériel où l'homme vit et, en plus, le monde spirituel invisible en arrière-fond de l'humanité. Et donc, si l'humanité veut avoir une bonne vie et souhaite vivre dans un bel environnement, en plus de tout le monde matériel visible, le monde spirituel aussi doit être doté à l'homme. Ce monde que personne ne peut voir, qui gouverne chaque être vivant au nom de l'humanité et qui est ordonné.